Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 5 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le prix des grandes carrières. Quatrième course de la Réunion 1, où 15 galopeurs après le forfait de Go With The Wind, âgé de 4 ans, et plus en dégoudron aux alentours de 15h15. Lors de ce gros handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2, nous assisterons à une très belle course sur le parcours des 1850 mètres de la grande piste. Sous un ciel nuageux, la piste devrait encore être rapide en attendant les orages de la semaine prochaine. Passe maintenant à faire les bons choix dans ce Quintet Plus. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la fameuse Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Salesman. André Fabre l'aime beaucoup et avec l'aide de Maxime Guyon et le numéro 2 dans les stalles de départ, s'il répète ses deux dernières tentatives, il est la bonne base de cette compétition. En deuxième choix, le numéro 1, Hooking. Philippe Decoux est l'entraîneur de l'écurie Griezmann et compte sur l'aide d'Aurélien Lemaître pour se sortir du bon numéro 6 et jouer une fois encore les 5 premières places. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Go to Hollywood. Entraîné par un certain Yann Barbereau, qui connaît toujours une folle réussite dans les gros Quintet Plus, et monté par Grégory Benoît, qui réalise une très belle année, il aura logiquement de nombreux fans. En quatrième position viendra le numéro 9, Aiguillère d'Argent. Nicolas Clément pense qu'il ne faut pas le condamner sur sa plus récente tentative, et le reprendre en confiance aujourd'hui est une excellente idée. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Shutdown. Bien passé en bas de tableau avec 52,5 kg seulement à porter, il peut faire briller le top entraîneur allemand, Henke Grévy. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Villaro. Nous connaissons bien ce Hongre âgé de 8 ans et s'il est dans un jour avec, il peut réaliser une très grande performance dans ce lot. En avant-dernier choix, le numéro 6, Royal Force. Il ne faut pas le condamner sur sa plus récente 7e place puisqu'il vaut mieux. Avec des œillères pleines et l'aide de Théo Bachelot, il va tenter de jouer un très bon rôle. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Géry. Venant de remporter deux handicaps de suite, il sera cette fois associé à Christophe Souvignon dans l'espoir de tripler la mise. En cas de non partant, le numéro 14, L'Aigle, qui vient de très bien se défendre dans une deuxième épreuve, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono indique de nombreux coups de cœur gagnants lors des différentes réunions premium, ainsi que de beaux trios, dont un affichant un rapport de plus de 629 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement.